On est de retour pour la deuxième partie de notre mock draft NFL pour la draft qui aura lieu la semaine prochaine. On va passer maintenant du choix 17 au choix 32 et on va commencer tout de suite avec les Raiders. Guillaume, c'est à toi. Je pense qu'il faut qu'ils renforcent leur line. Donc je vais leur donner Tevin Jenkins. Pour moi, c'est le tackle qui reste le meilleur, on va dire, après tous les gros noms qu'on a pu sortir précédemment. Donc voilà, Tevin Jenkins aux Raiders. Tevin Jenkins, clairement, ils ont besoin d'un right tackle avec Colton Miller à gauche. Voilà, il file bien chez eux, il reste dans le centre-ouest des États-Unis. Gros joueur capable de jouer un petit peu à tous les postes de la O-line d'ailleurs, faut le dire, et avec beaucoup de leadership. Donc voilà, ce sera très bien. Et je sais que, enfin, on sait tous même que Gruden aime bien les besogneux, c'est le cas avec Jenkins. Donc il ira du côté de Las Vegas. Mika? Ouais, je pense aussi. Je pense qu'ils ont besoin d'un tackle, donc Jenkins ou ouais, enfin non, Jenkins en fait. Je pense que c'est lui qui restera à ce niveau-là. Lucas, moi sur mon board j'ai encore Vera Tucker, donc pour moi il faut qu'il parte. S'il peut pas descendre plus bas, je pense que les Raiders seront heureux de l'accueillir. Et le fait qu'il puisse jouer aussi sur l'extérieur au poste de tackle, au poste de guard, ça peut être intéressant du côté de Las Vegas. Et je pense que ça fera un bon fit aussi. Très bien, on enchaîne le choix numéro 18. Et donc là, c'est le deuxième choix des Dolphins lors de ce premier tour. Damien, tu as mis qui, toi, pour les Dolphins après leur premier choix? Pour le coup, j'avais mis Jenkins, qui est parti juste avant. Ça, je suis resté très silencieux. Je trouve qu'il est... Je vois bien aller chercher du renfort en ligne offensive avec ce qui reste. Voilà, c'est tout. Mika? Ouais, moi c'est plutôt le contraire, je les vois aller renforcer la ligne défensive. J'avais mis un edge, alors là j'avais mis Quitty Pay, mais ça peut être aussi Jalen Phillips s'il est encore dispo. Moi je l'avais mis aux Vikings, donc ouais, je les vois renforcer la ligne défensive. Luca? Ouais, pareil, je rejoins Mika. La défense c'est l'essence même de cette équipe des Dolphins, et ils ont écrasé pas mal de monde l'année dernière, et je pense que rajouter un talent en plus sur cette ligne défensive, ça pourrait devenir encore plus impressionnant du côté de Miami. Et du coup je mets Jalen Phillips qui reste du côté de la Floride. Elio, Guillaume? Pareil, je vais rester sur ce qu'a dit Mickaël, la D-line, je pense à un Jalen Phillips, ouais, qui est du coin, ou sinon un Quitty Pay. Après aussi à regarder le poste de linebacker avec un Jeremy Owusu-Koramoah de Notre-Dame. Brian Flores est un coach à vocation défensive de base, donc ils ont sûrement vers de la défense à ce moment-là de la draft si un receveur est drafté au premier choix des Vikings, des Dolphins. Et ouais, pour terminer, moi je vais me partir sur Jalen Phillips, parce que pour Jeremy Owusu-Koramoah, j'en reviendrai plus tard pour parlera, mais je suis pas sûr de son poste en NFL. Très bien. Choix numéro 19, la Washington Football Team. Alors, au-delà d'aller chercher peut-être un nom à la draft, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? L'année dernière, ils avaient pris Chase Young. Est-ce qu'ils vont dans ce sens-là encore en côté défensif pour toi, Lucas? Non, je pense qu'il faut rajouter du talent sur la ligne pour aider Fitzpatrick, mais pas forcément, surtout pour les prochaines années. Il y en a besoin du côté de Washington, de la stabilité, construire un environnement, déjà une culture de la gagne du côté de Washington pour le futur quarterback qui arriverait par la suite. Donc pour moi, c'est Christian Dariso qui doit être sélectionné par Washington. Ouais, moi de mon côté, j'avais la même chose. Je pense qu'ils vont renforcer la ligne offensive. J'avais Tevin Jenkins encore dispo, mais ça peut être Dariso s'il est encore là, éventuellement même un Alex Leatherwood euh,
ou un Vera Tucker, mais ce sera pour la ligne offensive selon moi. Elio, Guillaume. Ouais, j'aurais bien aimé un tackle. Je pense que sur mon bord, en tout cas perso, il n'a pas qui valent le coup aussi haut dans ce premier tour. Je pense que tu peux récupérer un très bon tackle au deuxième tour, voire troisième. Du coup, je vais aller sur le petit joke que je parlais juste avant, là, Jérémy ou Caramel, qui pour moi, je pense qu'il aura plus un rôle de joueur hybride. J'avais vu une comparaison qui était, je trouve, assez juste, pas très juste pour lui en tout cas, c'était à Mark Barron, quand il sortait d'Alabama. Donc vraiment ce joueur qui peut te jouer, je pensais que ça joue de plus en plus du 3-4 receveurs en NFL maintenant. Donc avoir ce mec-là dans tes schémas de nickel ou de dime quand tu es en défense, ça peut être assez intéressant pour couvrir. C'est là où il est, pour moi, où il est très bon, sur la couverture. Donc ça peut être un bon fit. En plus, ils ont perdu quelqu'un. Impossible de vous retrouver le nom. Ça fait 2 minutes que j'essaye. Mais ils ont perdu un mec un peu à ce poste-là. Donc pour moi, ça a du sens. Washington, pour moi, ils sont un petit peu capables de tout. Washington, ils vont sûrement faire aussi un petit peu du BPA. Alors, ça peut très bien être la O-line, mais tout dépend de qui est encore là. Ça peut être un quarterback avec un Mac Jones s'il est toujours là. Ça peut aussi, ils peuvent aussi trade up pour aller chercher un Trey Lance. Je pense qu'on ne sait pas avec Washington pour l'instant. Et pareil, s'il y a Greg Newsome au poste de cornerback, pourquoi pas aller chercher un Newsome au poste de cornerback, sachant que c'est un petit peu un de leurs points faibles habituellement. Après, c'est une équipe qui est quand même très complète. Ils ont une bonne D-line, enfin qui est très complète, non, mais ils ont une bonne D-line. Ils sont bien renforcés au poste de receveur. Il y a un peu tout qui est possible à Washington. Après, je m'orienterai plus ou moins sur de la O-line ou sur un petit Greg Newsome. Ça peut être sympa. Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, juste corriger Elio, il a mal prononcé Kyle Trask, il a dit Matt Jones, il a dû se tromper. Ah, d'accord. C'est juste ça. L'intervention ne sert pas à grand chose. Mais... D'ailleurs, pour revenir aussi sur ce qu'a dit Guillaume, aussi post-linebacker avec Joke, sans aucun souci. Lucas, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je voulais juste ajouter que pendant que j'ai fait ma mock, j'ai longtemps hésité avec Zeven Collins. Le linebacker, je me suis dit que apporter un bon linebacker en couverture du côté de Washington, ce serait pas mal. D'ailleurs, cette ligne défensive, qui a fait un excellent job l'année dernière, mais je sais pas si le faire partir aussitôt, ça serait une bonne chose pour Washington. Il y a peut-être du talent un peu meilleur au-dessus, et c'est pour ça aussi que j'ai longtemps hésité avec un linebacker. Pour Washington. Très bien. Choix numéro 20, les Bears de Chicago. Est-ce qu'ils vont aller, chercher un quarterback ou cette année ou pas? Damien. Je leur ai mis un receveur. Sur mon board, j'avais Rashad Bateman qui était encore dispo. Je pense que ça peut être intéressant pour eux. Au niveau du quarterback, c'est difficile à dire, à vrai dire, parce que. Non, c'est sûr que le quarterback qu'ils ont actuellement est... voilà, Andy Dalton, c'est pas non plus la meilleure option. Mais après, est-ce que les Bears ont tant besoin que ça d'un quarterback élite avec l'équipe qu'ils ont? Je pense pas. Je pense qu'ils ont juste besoin de quelqu'un qui stabilise l'attaque. Et ils sont pas hyper pressés. S'il n'y a pas vraiment un joueur qui les intéresse au poste de quarterback, je vois pas pourquoi ils iraient se presser à en prendre un. Guillaume, Elio, vous partagez cet avis-là ou pas? Moi, je pense que c'est un peu la dernière chance pour Matt Jones d'être pris au premier tour, ce pick-là des Bears. Ils nous ont un peu habitués à des choix, gentiment, discutables au poste de quarterback. Des décisions discutables, on va dire ça. Donc, potentiellement, pourquoi pas. Je pense que c'est la dernière chance pour Matt Jones d'être pris au premier tour. Donc, je vais leur donner Matt Jones. Ça dépend, je suis quand même d'accord avec Damien, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils essaient un petit peu de faire avec Andy Dalton ce qu'ont fait les Titans avec Tannehill, c'est-à-dire prendre un bon quarterback d'NFL sans être excellent et puis voir chez eux si ça ne donnerait pas du mieux.
Donc voilà, si Mac Jones est là, je pense qu'ils prendront Mac Jones en toute sincérité. S'il n'y a plus de quarterback et qu'il reste que Kyle Trask, je suis pas sûr qu'ils prennent Kyle Trask, j'en suis pas certain, parce qu'ils auront encore ce traumatisme, et je veux pas comparer les deux, parce que tout le monde connaît l'amour que je porte pour Kyle Trask, mais ils auront un petit peu ce traumatisme Trubisky dans le même genre de quarterback, gros bras... attention, Elio, attention. Gros bras, peu mobile, tu vois, non, mais... je pense de la O-line pour Chicago, à mon avis. Ils vont vouloir un petit peu stabiliser, donner des possibilités à Andy Dalton. Donc, de la O-line, très probablement, le meilleur tackle encore disponible. Même si c'est peut-être un range un tout petit peu plus bas, mais un Sam Cosmi, un Leatherwood, un Liam Enkenberg de Notre-Dame, qui géographiquement est situé très proche de Chicago et qui est la fac préférée des gens de Chicago avec Northwestern. Donc voilà, pourquoi pas un O-line. Vas-y, Mika. Moi, je rejoins en plus ce qu'avait dit Jim McMahon il n'y a pas très longtemps quand il parlait des Bears. Il disait que c'était l'équipe où les quarterbacks allaient mourir. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Hein. Ça n'a jamais été une équipe réputée pour ses quarterbacks. Sur mon board, moi, j'ai encore un Vera Tucker de dispo. Donc, je pense qu'ils vont aller renforcer la O-line très clairement pour donner des possibilités à Andy Dalton. Vas-y Lucas, et après on enchaîne avec les Colts. Pareil de la ligne offensive, je rejoins Elio avec Sam Cosmi. Pour moi, il faut mettre dans les meilleures conditions le quarterback que tu as, et même si ce n'est pas forcément pour les 10 prochaines années, le mettre dans les meilleures conditions possibles et construire un environnement vivable pour le prochain quarterback qui viendra du côté de Chicago. Donc Sam Cosmi du côté de la O-line, ça peut être intéressant. Ça me revient là comme ça, c'est une stat que j'ai vue cet après-midi sur ESPN où ils montraient le pourcentage de joueurs en fonction de leur position qui re-signaient un contrat après leur contrat rookie. Et dans 60% des cas, c'est forcément des gens de la O-line ou de la D-line. Les quarterbacks, eux, étaient, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'on est que à 15%. Donc. Ça montre aussi que généralement on va chercher plus du côté genre position et défensif que un quarterback. Surtout que, excuse-moi de t'interrompre. Vas-y, prends. mais surtout qu'en plus on a vu ces dernières années, et là on a encore des feuilletons un petit peu dans du même cas, des quarterbacks draftéo qui au bout d'un an, deux ans sont déjà jetés. On parlait de Drew Lock tout à l'heure, on parlait de Tua Tagovailoa aussi, on a vu Josh Rosen récemment, donc on est un petit peu dans un cycle où tout va très vite, voire trop vite pour le poste QB. Voilà. Et ça rejoint ce qu'on disait au début sur cette situation où on voulait plus du win now que de la construction à long terme. Les Colts qui ont fait une bonne saison l'année dernière avec, j'allais dire, le regretté Philip Rivers. Il n'est pas mort, hein. Il est juste parti. Guillaume, pour toi, qu'est-ce que vont faire les Colts le 29? Moi, j'ai deux noms et je trouve plutôt sexy dans cette offense et dans cette défense, du coup. C'est Kadarius Toney pour mettre à côté de T.Y. Hilton et Michael Pittman. Je pense que ça peut faire un trio du coup, de receveurs très sérieux. Et très compliqué à défendre parce que t'auras un peu tout. T'auras T.Y. Hilton qui va aller tout droit. Tu vas avoir Pittman qui sera plus le possession receiver. Et t'auras Kadarius Toney qui va te briser 4 chevilles, 6 hanches et qui va être le meilleur ami des ostéos du coin. Donc ça peut être sympa. Et sinon en défense, moi il me reste Greg Newsom que j'aime beaucoup de Northwestern qui peut à terme vraiment devenir, je pense en tout cas, un receveur numéro 1. Donc je pense que dans tous les cas, ce sera très sympa, je pense, leur premier tour. Je suis un peu du même avis de Guigui. Au poste de cornerback, pourquoi pas, si Farley tombe, si Newsom est là, pourquoi pas. Après, ils ont pris Carson Wentz, qui a des petits soucis de blessure, et la O-line, c'est vrai que c'est un point important, notamment dans l'attaque de Reich. Hein. On a bien vu que c'était ce qu'il aimait bien, les O-line en règle générale, donc pourquoi pas aller prendre un tackle. Encore une fois, il y a du Cosmi, il y a du Leatherwood, il y a du Eichenberg, il y a aussi Jonathan Taylor qui est arrivé en running back l'année dernière, donc il faut lui ouvrir des brèches. Donc pourquoi pas de la O-line du côté des Colts, sachant que c'est vraiment une de leurs spécialités. Côté The Free Agent, on en pense quoi, Mika?
Moi, j'ai mis un receveur aussi. J'avais mis Bateman, qui était encore dispo chez moi, mais je les vois bien aller chercher un receveur pour compléter l'attaque avec Hilton et Pittman. Damien ? Ouais, j'ai mis un tackle, même si le receveur c'est intéressant. En plus, avec la retraite de Castonzo, il faut un petit peu refaire tout ça. Les deux se tiennent. Ok, parfait. Parfait, parfait. On passe aux Titans et qui ont un petit peu déçu la saison dernière. Lucas, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher cette année, les Titans, pour toi ? Pour moi, il faut se renforcer en défense. L'attaque n'a pas bougé beaucoup. Ils ont toujours les éléments les plus importants. Pour moi, Trevon Moehring en safety, ça peut faire un bon fit. Ils ont du monde au poste de safety qui commence à vieillir et ils ont des problèmes sur la couverture. Pour moi, Moehring, c'est le meilleur safety en termes de couverture. Donc, il pourrait apporter son talent du côté de Tennessee et je pense qu'ils en auront besoin. Et il faut se renforcer du côté de la défense, parce que c'est peut-être ce qui a pêché aussi l'année dernière. En playoff. Guillaume. Pour moi, ça sera. Je ne sais pas, vous n'avez pas fait petit retour en arrière ou quoi, mais la même réponse que pour le pick d'avant avec les Colts. Tony, Newsom ou Bateman. En fonction de ce qui sera pris. Exactement. Et pour reprendre ce que nous a dit Elio sur pas mal de choix, BPA. Ok, si vous avez rien d'autre à ajouter, on va passer au choix 23, qui est le deuxième choix des Jets, qu'ils ont acquis via les Seattle Seahawks. Alors, ils ont pris, et pendant qu'on faisait l'émission, le téléphone a vibré, et ça se confirme de plus en plus, Wilson serait quasiment assuré de partir et de jouer en vert la saison prochaine. Du coup, qu'est-ce qu'ils prennent en deuxième choix de ce premier tour, Elio ? Tu viens de le dire, BPA. En réalité, non, franchement, s'il y a encore Newsom sur le board, il est pris directement, il n'y a pas de souci, parce qu'en cornerback est vraiment renforcé du côté de New York. Après, si ce n'est pas le cas, ça peut être de tout, franchement, ça peut être de la O-line, parce qu'ils en ont besoin. Moi je les vois de toute manière sur les deux premiers tours draftés de la O-line sans souci, et même ils devraient d'ailleurs, et post-receveur ils sont quand même assez fournis, donc j'irai pas m'orienter de ce côté là franchement. Et c'est le poste d'edge qui pose un petit peu de questions. Alors en edge, sachant que Phillips et Pay seront probablement partis, pourquoi pas un autre Jewelry, même si je suis pas un gros fan du joueur. Voilà, Jason Away, c'est pour moi la pire arnaque de ce premier tour, de ce dont on peut se prononcer sur ce premier tour au poste de Edge. Ouais, donc voilà, pourquoi pas un Edge avec un autre Jewelry, pourquoi pas un corner s'il y a toujours un corner sympa à ce moment-là, et pourquoi pas un bon O-line, un bon tackle, mais aussi moi je penserais à Creed Humphrey qui est le center. Je sais que Guillaume n'est pas trop content que je le prenne maintenant, mais qui est le centre d'Oklahoma, qui est très bon, qui a joué toutes ses saisons titulaires, qui était capitaine je crois, qui est un joueur qui n'a eu encaissé zéro sac de toute sa carrière, qui est un joueur très très cérébral, parce que pour jouer dans l'attaque de Lincoln Riley il faut être cérébral, surtout à ce poste là et qui serait la nouvelle connexion pour donner le ballon à Zach Wilson et le protéger. Ça, c'est très important dans une équipe. Donc voilà, pourquoi pas. Bon, Guillaume n'est pas du tout d'accord. Vous n'avez pas la vidéo si vous avez écouté, mais alors. Creed Humphrey, c'est une arnaque. Creed Humphrey, c'est une arnaque. Il ne faut pas le prendre maintenant. Moi, j'irais plus. C'est une arnaque jusqu'à Pittsburgh, c'est ça ? Prochain pic. Spoil pas les gens. C'est une arnaque. Moi j'irais plus sur un tackle ou sur un edge, donc soit Aziz Ojulari qui pour moi est le meilleur restant, même si ça m'embête de dire ça parce qu'il vient de Georgia, mais c'est bon, il y a des blitzers qui sont partis, donc on peut en faire partir maintenant, ou un Alex Leatherwood de Bama au poste de tackle. Mika, tu voulais
Non, pas mieux. Du coup, j'allais parler de Julari. Donc, du coup, ouais, je pense qu'ils prendront un edge. Je pense que c'est un bon pick pour eux. Et Julari me paraît le meilleur aussi dans ce qui reste. Ok. Pick numéro 24. Donc, Guillaume, on te laisse. j'ai laissé les Chargers à Damien. Les Steelers. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Est-ce qu'ils vont prendre Trey Lance ou Mac Jones ? Du coup, les Steelers, ils vont faire le style de la draft. Ils vont aller chercher un crack, un talent générationnel, Creedom Fray. non, voilà pourquoi j'ai dit que c'était une arnaque juste avant. Parce que j'aimerais en tout cas qu'il tombe chez les Steelers. J'adore le joueur. On en parle beaucoup avec Baptiste chez nous, qui est fan de Oklahoma State. Donc Oklahoma State, la petite bagarre. Et même lui nous dit que, comme l'a dit Edouard, on en a parlé un petit peu avant, c'est un mec pour être titulaire sur plusieurs années au poste de centre dans l'offense de Lincoln Riley. Il faut en avoir un peu du QB football. Alors, c'est pas l'offense la plus simple à jouer. Ça joue en plus du up-tempo, donc le mec a un cardio. Déjà, c'est clair. Même si aux Steelers, on jouera pas ça, c'est toujours bien pour un O-line d'avoir un mec qui va pas être fatigué au training carton, quoi. Parce qu'on en a vu débarquer des comme ça. Déjà, donc en Chine, voilà, c'est on a perdu Pansy, qui était notre centre depuis X années, quasiment 10 ans, voire peut-être même un peu plus de 10 ans même d'ailleurs. Il est des années Tim Tebow, lui. Donc faut renouveler ça, et Big Ben, il va pas être là indéfiniment. Et donc un peu comme a dit Elliot tout à l'heure, moi je porte énormément de valeur au duo centre quarterback. Donc du coup, en étant un peu plus objectif, si les Jets venaient à prendre ça, je trouve ça très intéressant d'avoir au premier tour, donc potentiellement 50 contrats, ton quarterback et ton centre. Ça s'appelait Beyrouth pour 5 ans, en fait. Donc, pour moi, c'est une excellente chose. Ça sera encore plus excellent s'il arrive chez les Steelers, je vous l'accorde. Mais voilà, pour moi, c'est quasiment un no-brainer. Il y a encore quelques semaines, quelques mois maintenant, j'aurais dit un tackle. Mais avec la retraite de Pansy, pour moi, c'est le poste à viser. Est-ce que quelqu'un veut aller contredire Guillaume sur le choix des... Eh ben allez, vas-y, Mika. Le contredire, non. Je pense que les Steelers pourront aller chercher un centre plutôt sur le deuxième tour. Je les vois bien aller chercher un running back sur le premier tour. Pourquoi pas Travis Etienne de Clemson. Je les verrais bien aller le sélectionner. L'année dernière, on a vu que le poste de running back, avec James Conner, c'était pas trop ça. Donc je les verrais bien aller se renforcer sur ce poste-là. Lucas, vas-y. Pareil que Mika, le poste le même. Par contre, je préfère prendre Najee Harris, qui pour moi est bien meilleur que Travis Etienne. Après, c'est peut-être pas forcément ce que je préfère, faire partir des running backs au premier tour. C'est pas, ça me dérange un petit peu, mais Pittsburgh pourrait totalement aller chercher Najee Harris avec ce choix 24. Très bien, choix 24 terminé. Choix numéro 25, et donc là aussi, deuxième choix lors de ce premier tour pour les Jaguars, qui du coup, après Trevor Lawrence, est-ce que vous pensez qu'ils vont utiliser la hype du coup qui va se mettre en place avec l'arrivée de Lawrence pour aller chercher quelque chose de plutôt fancy pour leur équipe? Elio? Non, je pense qu'ils vont drafter intelligemment. De toute manière, ils ont ramené Urban Meyer, qui, à mon avis, va aussi assurer le rôle de GM de manière officieuse. Je les vois bien s'orienter vers, je le dis souvent, mais vers du BPA, que ce soit ou bien en défense, ou bien sur la O-line aussi, pour protéger Trevor Lawrence. Je pense que c'est la priorité. Après, ils ont quand même le premier pick du second tour. Donc, ils n'auront pas trop de difficultés à trouver le joueur qu'il leur faut à ce moment-là. Si je dois choisir un poste, je te dirais O-line, clairement. Après, le meilleur joueur à ce moment-là aussi, s'il reste un gros linebacker, pourquoi pas, pour avoir le nouveau Tyven Smith. S'il reste
un bon cornerback, ce que j'imagine pas non plus, pourquoi pas. Voilà, ils peuvent un peu tout faire, les Jaguars, à ce moment-là, et même essayer de reach un petit peu, d'aller chercher Trevon Merrick pour s'assurer d'avoir le meilleur safety de la QV. Damien. Ouais, je suis assez d'accord sur la position de Mayer. Je suis sûr qu'il doit être en train de travailler jour et nuit sur tous les prospects de la Terre pour connaître tous les gars, essayer de leur parler et tout ça pour être prêt à toutes les éventualités, parce qu'au final, ils ont énormément de possibilités avec ce pick. J'avais mis Wyatt Davis en O-line d'Ohio State parce qu'il avait une très bonne cote l'an dernier. C'est un petit peu baissé, bizarrement. Mais bon, après, ils peuvent le chercher au deuxième tour aussi. Voilà, c'est assez ouvert. Guillaume. C'est bon. Avec ce pick, je pense qu'ils vont aller chercher une arme pour Trevor Lawrence. Et avec le premier pick du deuxième tour, ils vont chercher un tackle. Je ne suis pas sûr qu'ils perdent énormément en niveau en termes de tackle entre ce choix-là et le premier choix du deuxième tour, alors qu'un receveur plus. Donc, j'irais bien leur donner. Du coup, j'ai trois noms. J'en ai deux que j'ai déjà cités, mais qui peuvent s'aider jusqu'ici. Donc, encore une fois, Kadarius Toney, Rashad Bateman. Et le petit troisième, ça sera... Comment il s'appelle, pardon, j'ai un lieu déjà. Elijah Moore. Non, c'était pas Elijah Moore, Elijah Moore, le deuxième tour, le receveur de LSU, pardon. Terrace Marshall. Terrace Marshall, ouais. Donc, personnellement, je suis un très gros fan, même s'il vient de LSU. Et donc ouais, Terrace Marshall, pour moi, ça peut être un beau style de cette draft, parce qu'il y a des chances qu'il tombe plus bas que ça. Mais si j'étais à la place d'Urban Meyer, je donnerais une arme à Trevor Lawrence et je le protégerais avec le premier feu du deuxième tour. Parfait. Choix numéro 26, les Browns. Mika. Bah écoute, moi je pense qu'ils vont renforcer à mon avis la ligne défensive. J'avais noté Christian Barmore d'Alabama qui pour moi ira renforcer les Browns. Donc voilà, j'ai pas. Après, bon, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, je pense que ce sera aussi du BPA. Ça dépend qui sera dispo. Mais moi, c'était en tout cas ce que j'avais sur mon board. Est-ce que voilà, Lucas, parfait. Moi, je vais plutôt du côté de Zaven Collins, le quarterback de Tulsa. Je pense qu'ils peuvent faire une excellente défense parce qu'ils ont récupéré à la free agency John Johnson, un cornerback. Ils ont, bon, je suis pas fan. Ils ont récupéré le quarterback des Rams. J'ai un trou. Ils ont récupéré sur la ligne défensive en D-end du monde. Je pense qu'ils peuvent faire une excellente défense. Et puis, je pense que du côté offensif, il n'y a pas de grands besoins. On a OBJ qui va reprendre. Ça, c'est encore un débat. Est-ce qu'il ne faut pas l'échanger? Donc, je pense que rajouter un potentiel défensif du côté de cette escouade, ça peut être intéressant. Je vais joindre les deux bouts, perso. Si Christian Barmore est déjà parti ailleurs, ils iront chercher Zaven Collins au poste de linebacker, mais Christian Barmore, numéro 1, ils ont perdu Sheldon Richardson, qui vient de partir. Ils ont personne en D-tackle, en réalité, et Barmore, c'est vrai que c'est une très belle option à ce moment-là de la draft, c'est ni trop haut ni trop bas. Donc, totalement sur Christian Barmore et Zaven Collins en choix numéro 2, si jamais Barmore n'est plus là. Parfait. On enchaîne, choix numéro 27. On arrive à la fin du premier tour. Les Baltimore Ravens. Guillaume. Alors, pour mes amis, mes très chers amis des Ravens, je serais parti sur un edge. Je pense qu'ils ont une équipe assez complète, donc soit un edge, soit un receveur. Parce que, après, bon, encore une fois, quelle est la valeur d'un receveur aux Ravens? Je m'arrêterai là sur la blague, mais on va se tromper. Donc, je pense à lui, peut-être plus un edge. Et je pense qu'en fait, ils peuvent se permettre, et lui, il en parlait tout à l'heure, du copain Owe. Jason Owe, qui est un edge qui vient non. Penn State. Qui vient de Penn State. Et en fait, c'est juste un monstre athlétique. Pour l'instant, ce n'est pas un joueur de foot. C'est un monstre athlétique. Maintenant, on connaît l'historique des défenses à des Ravens, ils n'ont pas forcément besoin d'aller chercher, je trouve, en tout cas, un mec à starter day one. Ça peut être un mec à développer une année. Donc, je pense que ça peut être intéressant dans ce système-là.
Ça peut être un mec que tu vas faire rentrer en troisième down ou toute situation de passe évidente, qui juste par son athlétisme en fait, et ses capacités naturelles, parce qu'il joue que là-dessus pour l'instant. Donc pourquoi pas. C'est vraiment. Après voilà, encore une fois, c'est soit ça, soit un receveur, mais qu'est-ce qu'un receveur quand t'as pas de quarterback? Mais t'as un très bon running back par contre. Ah. Mika, et ensuite Elio. Je rejoins Guillaume, moi j'avais mis un edge du côté des Ravens, j'avais juste pas mis le même, j'avais choisi Joe Tryon, qui pour moi est aussi un monstre physique. C'est 1m96, 120 kg, donc beau bébé. Voilà, je pense qu'en plus c'est un joueur assez polyvalent, il peut même évoluer un peu linebacker, donc à mon avis ce sera le poste qui doit être renforcé pour Baltimore. Je suis d'accord sur le poste de edge aussi totalement. Est-ce que après ils iraient pas chercher un Trevon Merrig en safety, parce qu'il faut pas oublier que notre ami Earl Thomas n'est plus là. Donc je m'orienterai quand même sur un safety aussi. Après, au poste de edge, je vais revenir sur Jason Away. Hein. Comme il avait dit, Guigui, c'est un monstre athlétique. Mais c'est tout. Si vous voulez, je vais à la salle du coin et je vais vous trouver un mec qui a les mêmes capacités physiques et fin de l'histoire, quoi, mais qui sait pas jouer au football. Donc j'espère qu'ils vont pas faire cette erreur-là, les Ravens. Moi, qui suis fan du Maryland et qui est quand même une petite sympathie pour Baltimore. Donc... Ça risque d'être un edge ou un safety, à mon avis. Sur les autres postes, ils sont assez bons. Un receveur, un bon, ils peuvent en trouver un au deuxième tour. Donc voilà. Très bien. Choix numéro 28. Et Dio, je te le laisse aussi. Du coup, les Saints. Les Saints, du coup, je fais des bisous à mes collègues de Saints France sur Twitter. On a... quelques postes à renforcer, on a gardé l'ossature principale de l'équipe. C'est une position un petit peu compliquée, le choix numéro 28, on se trouve entre deux os. On aurait bien besoin d'un linebacker, un Zaven Collins qui peut couvrir, tandis que DeMario Davis à côté peut rush. Ça, c'est assez important, je dirais. On a besoin d'un deuxième cornerback, mais à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas Greg Newsome, je ne vois pas trop qui on pourrait aller prendre. J'ai pas envie de prendre un Asante Samuel ou Eric Stokes au premier tour. On peut aller chercher un receveur, et là, un Kadarius Toney qui tombe, ça m'arrangerait bien, parce qu'il compléterait ce vide qu'a laissé Emmanuel Sanders derrière Michael Thomas, qui lui est un petit peu plus lent, mais très physique. On aurait besoin d'un petit receveur rapide, capable de prendre les espaces et de vitesse les défenseurs, donc pourquoi pas. Et puis, il y a aussi cette question du poste de quarterback. On a signé Jameis Winston que pour un an. Il se dit que notre board aurait regardé un certain prospect quarterback qui vient des Gators de Floride, qui n'est autre que Kyle Trask. Kyle Trask, que personnellement, moi, je suis fan du joueur. Hein. C'est quelqu'un pareil aussi qu'il faut asseoir une année derrière un quarterback, donc derrière Winston en l'occurrence. Quelqu'un qui apprend beaucoup, qui a un excellent bras, qui est peu mobile, mais qui est très, très bon sous la pression. Et quand tu es peu mobile, bah faut être bon sous la pression. Lui, c'est vraiment un de ses points forts. Donc pourquoi pas Kyle Trask, et d'autant plus qu'on est une équipe qui avons l'habitude de jouer avec des quarterbacks peu mobiles quand même depuis quelques années, et puis c'est pas les Bridgewater, Jameis Winston ou Taysom Hill qui nous diront le contraire en dehors de Drew Brees. Donc voilà, moi j'aimerais bien aller chercher un Kyle Trask, même si c'est un petit peu osé de prendre un quarterback à ce moment là sinon un receveur, Kadarius Toney s'il est là. Et après, derrière, en troisième choix, je dirais un Zaven Collins pour mes Saints. Voilà. Ou that. Quelqu'un veut ajouter? Ouais, vas-y, Guillaume. Alors, j'avais peur de me faire insulter en parlant de Kyle Trask. Mais on va en parler vite fait maintenant. J'ai lu 2-3 articles qui, comme quoi il pourrait justement pointer le bout de son nez en toute fin de premier tour. Donc, quand on regarde les équipes qui restent, il n'y a que là, en fait. C'est très clairement, il n'y a que là, ou à moins que les Bucks nous fassent une dinguerie. Et ça ferait plaisir à ni Elio ni à moi que Trask finisse aux Bucks. Donc ça, je peux vous l'assurer, à mon avis. Mais sinon, j'aime bien le choix de Zaven Collins, comme Elio en a parlé. Je trouve que ça matche assez bien avec DeMario Davis. Donc voilà, les deux choix qui me plaisent à la fois et que je trouve sensés. Mika?
Bah écoute, pas mieux. Moi, j'avais Zaven Collins au Saints, donc je pense que ce sera un très bon fit pour l'équipe. Je te laisse la parole. On passe au choix numéro 29 et on va parler des Green Bay Packers qui vont prendre du coup Trey Lance. Alors honnêtement, c'est très compliqué de savoir ce que les Packers vont faire. D'un côté, je pense qu'un receveur, un deuxième receveur derrière Davante Adams, ce serait pas mal. Mais en même temps, les joueurs qui vont rester à la fin de ce premier tour, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment meilleur que ce qu'on a déjà aux Packers. Donc Valdez Scantling et Allen Lazard. Donc à voir. Je pense qu'après, en défense, par contre, il y a un peu de travail. Il y a le poste de cornerback qui, je pense, devrait être renforcé. On avait vu ce que Kevin King avait pu faire. Je pense que ça aurait été pas mal de trouver un joueur pour le poste de cornerback. Pourquoi pas un Eric Stokes à ce moment-là de la draft. Et sinon, le poste de linebacker aussi. Mais je ne sais pas vraiment ce qui restera à ce moment-là. On a parlé de Jeremiah Owusu-Koramoah tout à l'heure. Moi, il est encore dispo sur mon board. Donc, pourquoi pas. Voilà, pour moi, c'est les trois postes où les Packers ont besoin de se renforcer. Vas-y, Guillaume. Ça, c'est ma spéciale. J'allais parler d'Eric Stokes. Vous faites ça aussi chez nous, vous en faites. Ouais, non, c'est habituel. Okay. Je suis pas mal aussi là-dedans aussi. C'est habituel, désolé. J'allais parler d'Eric Stokes, justement, à Green Bay, parce que, comme tu l'as bien cité, juste parce que Kevin King, en fait, déjà, à partir de là, je pense que ça se suffit à soi-même. Après, personnellement, je pense que les Packers, ils jouent un petit jeu avec toute la NFL, où c'est le dernier qui draft un receveur premier tour à gagner. Donc, on l'a vu l'année dernière avec le choix de Jordan Love. Donc, je ne vois pas pourquoi cette année, plus que l'année dernière, il prendrait un receveur. Donc, j'irai plus du coup sur le choix d'Eric Stokes. Surtout qu'en plus, pour leur donner raison, on va dire, cette année, des receveurs, tu peux en trouver de l'excellent deux, voire même troisième tour. Lucas. Mais c'est surtout qu'il faut drafter du receveur pour faire un peu ressourire Aaron Jones, parce que ça fait un petit moment qu'on ne drafte pas de joueurs all-purpose, des joueurs qui peuvent aider, qui peuvent avoir un impact sur une attaque. On a beaucoup drafté dans les lignes, on a beaucoup drafté en défense, mais ça fait longtemps qu'on ne drafte pas de receveur du côté des Packers. J'aurais aimé voir Tony partir maintenant, ou bien un Bateman. Voilà, c'est ce qui reste. Mais pour moi, il faut aller chercher un receveur, parce que ça suffit du côté de Green Bay de drafter des linemen, des joueurs en défense qui ont finalement peu d'impact. Et il faut redonner le sourire à Aaron Rodgers. Et à Michael aussi, parce que sinon, la saison prochaine va être assez longue. Ce sera très très dur, ouais. Allez, choix numéro 30, il nous en reste 3. Les Bills, Elio. Les Bills, c'est un choix intéressant. Ils ont besoin un peu d'O-line, un peu de edge, un peu de cornerback, un deuxième corner derrière Tre'Davious White, ça serait pas mal. Alors, si Eric Stokes est toujours là, je prends Eric Stokes, sincèrement. Parce que la paire serait franchement géniale du côté du Grand Nord, de l'Ouest de l'État de New York. Eric Stokes, qui a un cornerback, donc celui de Georgia, très complet. Hein. En fait, pareil, lui, c'est quelqu'un qui n'est pas excellentissime, je le dis souvent, mais c'est quelqu'un qui n'est pas excellentissime dans un domaine ou dans tous les domaines, mais c'est quelqu'un qui est très, très fiable dans tous les domaines, qui est bon dans tous les domaines. Voilà, donc qu'il parte en fin de premier tour, il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, j'irai chercher aussi un poste d'O-line, hein, s'il reste de bons O-line. Pourquoi pas, hein, Liam Eikenberg maintenant, Sam Cosmi s'y dégringole, même si j'y crois pas trop. Voilà. Et le poste de Edge, c'est quand même assez compliqué, le poste de Edge, parce qu'il y a quand même un gap entre les Jalen Phillips, Azeez Ojulari, et Kwity Paye et les autres. Mais il y a toujours Grégory Rousseau, qui est assez intriguant. Rousseau, qui n'a pas joué cette saison, c'est un petit peu ça le hic, et qui n'a pas fait un super pro day. Donc pourquoi pas aussi aller chercher un Rousseau, voilà. Mais si j'étais à leur place, je prendrais un Eric Stokes pour renforcer le backfield, et avec Mikhaïd en plus en safety. Enfin, ça serait la folie, quoi, pour les Bills. Guillaume.
Moi, la seule petite question que j'avais, c'est à quel point les Bills aiment Devin Singletary. À quel point ils pensent que, ils pourraient penser en tout cas, que le running back Najee Harris serait un upgrade à Devin Singletary. Parce que je pense très sincèrement qu'ils peuvent le faire. Je ne dis pas qu'ils doivent le faire parce que moi, personnellement, j'aime bien Singletary. Mais je pense qu'ils pourraient le faire en tout cas. Maintenant, dans mon board, en tant que cornerback, il me reste Aaron Robinson du UCF qui pourrait être intéressant. Et après, comme on l'a dit, pour les, sur de la O-line, Eichenberg, Wyatt Davis, tous ces joueurs-là qui peuvent contribuer des one. Très bien. On va passer aux deux finalistes, aux deux dernières équipes qui étaient présentes au Super Bowl. Et on va commencer par les Chiefs. Alors, Damien, ils ont besoin de quoi, les Chiefs ? J'ai mis de la O-line, j'ai mis Jalen Mayfield de That Team Up North. Je ne la nommerai pas. Voilà. Je pense que oui, ils en ont vraiment besoin. En plus, ils ont perdu Rick Fisher et Mitchell Schwartz. Donc, c'est, voilà. Donc, il faut absolument renforcer à ce niveau-là. Les autres, ouais, vous êtes d'accord. Je vois des têtes qui hochent. Vas-y, Guillaume. Ouais, juste, j'avais un petit. Je suis d'accord qu'il faut du tackle. Par contre, je pense que la situation n'est pas aussi désespérée qu'on veut nous la faire croire au niveau du tackle. Parce que si je dis pas de bêtises, ils avaient deux absents cette saison au point de tackle. Il y avait Prince Tega Onaogo et le deuxième, je ne sais plus qui c'était. Je sais qu'il y avait un deuxième. Duvernay Tardif. Voilà, Duvernay Tardif. Le Québécois. C'est ça. Donc, ils sont deux tackles de bon niveau. Donc, il y avait opt-out avec le Covid pour les deux, si je dis pas de bêtises. Donc, si il, dans le cas où ils ne drafteraient pas de tackle, ça va être le tollé général. Ils n'ont pas retenu la leçon du Super Bowl. Tout ça, mais il y a du talent qui revient. Donc ça, c'était juste la petite. Mais je suis d'accord qu'un tackle, ça a largement du sens, et Jalen Mayfield, ça a largement du sens. Mais c'est pas aussi critique. C'est pas comme s'ils avaient un need de fou malade au poste de tackle, que tout le monde était parti et qu'il leur restait que le boulanger et le supermarché. Ils ont encore des bons joueurs. Vas-y, Elio. Ou sinon, je vois deux autres choix, toujours sur de l'offense. Pourquoi pas un center avec London Dickerson, qui est toujours là, le centre d'Alabama, qui est aussi bien en vue. Ce qui peut être intéressant pour un Mahomes, sachant que... Enfin bref, c'est un gros gabarit qui prend de l'espace, qui est peut-être pas le plus intelligent, mais qui est très très fiable à son poste. Ou sinon, un receveur aussi, parce qu'on a eu le départ de Sammy Watkins. Alors c'était... Pourquoi pas aller chercher un receveur qui serait peut-être un petit peu tombé. Si Tony tombe par le plus pur des hasards à ce moment-là, ça serait sans hésitation. Un Terry Marshall aussi. Mais je dirais même, et là, il nous enquiquinerait complètement les Chiefs. Et je pense qu'il serait pas mal d'ennemis d'aller prendre un Elijah Moore, vraiment un pur slot receveur, mais qui est au top, qui est peut-être le receveur, je dirais, de cette draft par rapport à son poste le plus sous-coté. Mais qui vraiment pourrait rapporter énormément de points, surtout qu'on sait que l'attaque de Reed, c'est beaucoup de lancers quand même, moins de courses. Donc voilà, pourquoi pas un receveur et pourquoi pas de la O-line, comme ça a été dit juste avant. Très bien. Le dernier, ça y est, on arrive au bout. Les Tampa Bay Buccaneers. Et là, Michael, je vais te poser la même question. De quoi peuvent-ils avoir besoin? Bon, compliqué. Ils ont re-signé tout le monde. Donc, concrètement, c'est la même équipe qui se présente. Exactement. Le seul endroit où je pense qu'il serait judicieux d'aller rajouter un talent, c'est au poste de Edge et sur la ligne défensive. Parce que c'est pas qu'ils manquent de talent, c'est juste qu'ils ont des joueurs qui sont un peu vieillissants, qui ont été, ils n'ont pas été à 100% non plus la saison dernière. Ils ont été blessés. Je pense à Jason Pierre-Paul et à Ndamu Kongsu aussi. Donc moi, c'est là que j'irai rajouter un joueur, pourquoi pas Carlos Basham, s'il est, je pense qu'il sera toujours dispo, le joueur de Wake Forest. Voilà, c'est ce que je rajouterai. Guillaume, vu ta tête. Ah non, justement, vu ma tête, c'est pour moi Carlos Basham, c'est un des gros sleepers de cette draft. Autant, j'ai sale mémoire, hein. je sais plus qui parlait de Tony au Chief, qui ferait rire vraiment personne.
autant Carlos Bacham à Tampa Bay, qui pourrait être limite qu'un genre de rotation au début. Je pense qu'il y a des tackles, quand ils vont être au bout de leur vie et qu'ils vont voir le starter sortir et Bacham rentrer. Mais le même de Bob l'éponge qui est soufflé là, ça va être ça. Elio. Comme l'a dit Mika, de la D-line, hein, dit tackle, un Levi Onuzurike, ça pourrait être pas mal du tout pour aller avec Vita Vea. Ça ferait quand même très mal. Et oui, pourquoi pas un edge aussi. Pareil, Grégory Rousseau, s'il est toujours là, ça peut le faire. Il reste en Floride un petit peu. Alors des fois, on ne sait pas aussi. Hein, des joueurs qui restent, pas, entre guillemets, pas loin de chez eux, ça peut poser problème. On sait aussi. Mais, t'as payé Rousseau ou c'est comment pour le citer 8 fois comme ça là, hein. T'as filé un billet pour que tu le cites comme ça, Rousseau. Non, mais parce que c'est vrai que c'est un prospect qu'on classait très, 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 très haut. En début de saison, avant toutes les histoires d'opt-out, avant son pro day, etc., qui est descendu pour certaines raisons, mais qui peut devenir un énorme prospect. On ne sait pas, en fait, c'est un peu du boom or bust, donc pourquoi pas du Rousseau. Mais je vois bien Levi Onuzurike pour aider la D-line. Voilà. Ils n'ont pas besoin de grand-chose d'autre, ils ont quasiment tous les postes doublés, voire triplés, c'est la super team, ils n'ont pas de cap, de salary cap, ça n'existe pas avec eux. Ils ont envoyé Roger Goodell en vacances du côté de la baie de Tampa, ils ont payé la villa et tout ce qui va avec. Voilà. Le mot de la fin sera pour Damien. Je suis assez d'accord avec Elio pour le coup, je pense que ce serait intéressant de drafter Rousseau, parce que c'est typiquement un joueur qui a un ceiling assez élevé et à qui il faut du temps, et là il aura du temps et des gens pour l'entourer, donc ça me semble vraiment être une bonne option, même si quand on a des petits soucis de comportement, tout ça, il vaut mieux s'éloigner de la Floride, c'est mieux pour commencer sa carrière NFL en général, mais bon voilà. C'est sûr, en tout cas les Bucks plus que jamais favoris à leur propre succession l'année prochaine. Merci à tous. L'horloge a bien, bien, bien tourné. J'espère que vous, auditeurs, ça vous a plu, que vous êtes d'accord ou pas d'accord. On attend d'ailleurs vos réactions sur les réseaux sociaux, que vous nous disiez si les choix à la fois de Trick Play et de The Free Agent sont pertinents pour vous. On fera le bilan après le 29 pour voir qui avait raison et qui s'était bien planté. Merci Guillaume, merci Elio d'être venu ce soir, c'était cool, et comme pour tous les invités qu'on a pu avoir jusqu'à présent, la porte est ouverte pour les prochaines fois avec grand plaisir. Merci à vous surtout les gars, de m'avoir accueilli, c'était très cool. Merci les gars. Merci Mika, merci Lucas, merci Damien, et à très vite pour un nouvel épisode du podcast NFL de The Free Agent.